Salutations à toutes et à tous, qui dit mercredi dit que l'on va continuer à explorer l'album Ces femmes incroyables qui protègent la planète de et illustré par Kate Pankhurst et édité par les éditions Kiman. Donc la semaine dernière on avait découvert Ursula Marvin qui a été la première femme à s'intéresser donc aux astéroïdes et aux météorites qui les a étudiés afin de pouvoir protéger la Terre en cas de collision si jamais un de ces corps célestes se rapprochait de la Terre. Donc cette semaine, afin de clore cet album, nous allons découvrir la 13e et dernière femme incroyable avec Daphne Sheldrick. Alors à votre avis, comment elle a fait pour protéger le monde? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter son histoire. Son jardin et son cœur étaient toujours ouverts. Daphne Sheldrick. Née de parents britanniques en 1934, Daphne Sheldrick grandit au Kenya. Passionnée par la faune et la flore africaine, elle savait à quel point il était important de les protéger. Dans les années 1960, Daphne et son mari David participèrent à la création du parc national, une vaste étendue de terre particulièrement protégée, de Tsavo. Les Sheldrick partageaient leur maison avec de nombreux animaux sauvages. Daphne aimait particulièrement les éléphantaux. Elle passa 60 années de sa vie à aider ceux dont les parents avaient été tués par des braconniers pour leur défense en ivoire. L'ivoire est considéré comme un matériau précieux et il fut longtemps utilisé pour la fabrication de bijoux et même de touches de piano à une certaine époque. Elle découvrit que les éléphants éprouvent des émotions intenses comme nous. Ils ressentent de la tristesse, de la joie, de l'amour. Certains rhinocéros ont aussi perdu leurs parents tués pour leurs cornes. Nous vivons dans le jardin de Daphné. Les éléphantaux orphelins mettent beaucoup de temps pour se remettre de la perte de leurs parents. J'adore ma vie dans ce jardin. Un éléphant était particulièrement attaché à Daphné. Je m'appelle Eleanor. Eleanor est extraordinaire. Elle sait que j'essaye de sauver des orphelins et elle m'aide à prendre soin d'eux. Daphné mit au point une recette de lait adaptée aux éléphants nouveau-nés, un mélange de lait de vache et de lait de coco. Avant cela, il leur était difficile de survivre sans leur mère. Daphné sauva plus de 200 éléphantaux. Elle était toujours triste de les voir ensuite partir, mais elle savait qu'ils étaient faits pour vivre dans la nature. « Ma chère Éléonore a rejoint un troupeau d'éléphants dans la nature, mais elle me reconnaît toujours. Un éléphant n'oublie jamais ceux qui l'ont aidé. » Daphné a mené de nombreuses actions pour lutter contre les braconniers et contre les agriculteurs qui détruisent l'habitat des éléphants. Son travail fut largement reconnu. Elle fut notamment anoblie par la reine d'Angleterre et reçut la plus haute distinction du Kenya, la Moran of the Burning Spear. Daphné est morte en 2018 à l'âge de 83 ans. Son incroyable travail au Kenya se poursuit grâce à l'œuvre caritative qu'elle a fondée, The Sheldrick Wildlife Trust. Les éléphants qui ont souffert à cause des hommes peuvent pardonner, mais ils n'oublient jamais. Elles se sont engagées pour sauver la planète. Nous avons encore tant de choses à découvrir dans l'océan. Transforme tes déchets en trésors. Soyons forts et unis. Aide les autres à comprendre et à aimer la nature. Contribue à rendre sa splendeur à notre planète. Protégeons la planète pour les générations futures. Sois différent ou différente, sois gentil, gentille, sois juste. Sème les graines du changement maintenant. Découvre la beauté même dans la plus petite des créatures. Comprendre le passé de notre planète nous permet de protéger notre futur. Nous avons beaucoup à apprendre des animaux qui sont nos proches parents. Nous nous ressemblons plus que vous ne le pensez. Un avenir plus vert commence avec tes idées. N'oublie jamais que les animaux ont besoin de notre protection. Et toi, que fais-tu pour l'environnement? Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, grâce à Daphne Sheldrick, de nombreux éléphantaux qui étaient orphelins ont pu retrouver une vie normale après avoir bénéficié de ses soins. Donc, en raison du braconnage pour l'ivoire de leur défense, entre autres, les éléphants sont menacés d'extinction. Et c'est donc une excellente chose que, grâce à des initiatives comme celle de Daphné, des éléphantaux soient sauvés et puissent continuer à vivre normalement. Donc, un grand merci à elle qui a œuvré pour la protection des animaux. Et fort heureusement, malgré sa mort, grâce à sa fondation, ce qu'elle a entrepris perdure encore aujourd'hui. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la première des femmes incroyables qui ont changé le monde. Salut !